Salut à toutes et à tous, c'est Yov et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Spider-Man sur Nintendo 64. Je l'avais sur PlayStation 1, mais j'ai pas la possibilité de filmer sur ma PlayStation 1. Et je tiens à dire que je suis sur émulateur. Donc voilà. Donc petite intro terminée. Et nous allons directement passer au jeu. Alors j'ai appris vite fait les. Hop, les touches. Donc ça devrait aller normalement. Ça devrait aller pour cette petite vidéo. J'en ferai pas plusieurs hein, sur ce Spider-Man, hein, je crois pas. Vu qu'il est en anglais, je peux pas trop faire un Walfou sur un jeu américain. Sinon ça le fait pas trop. Ou alors faudrait que je traduise toutes les phrases. Donc voilà, ce serait impossible. Alors. Ah, je vais essayer de quitter ça. Ça commence bien. Voilà. Donc petit chargement avec un comics. Si vous avez vu, enfin si vous avez bien regardé le comics, il y avait un immeuble. Et cet immeuble, on va le rencontrer dans la vidéo. Bon, là c'était Black Cat. Hein, elle était. Alors les personnages sont carrés. Hein, et ont une drôle de gueule, sauf Spider-Man. Spider-Man est assez bien foutu, son animation est plutôt pas mal. Je tiens aussi à dire que c'était l'un de mes jeux préférés quand j'étais petit. Donc là, intelligence artificielle de ce mec. Attention, choc. Ils racontent leur vie carrément derrière le mec. Hein. Vous remarquerez aussi que le mec a une sale gueule. Bon là, hop, on va le défoncer. Oula, Spider-Man qui tape la pause. Eh, je le touchais! Tiens. Voilà. Donc les personnages, hein, ils disparaissent. Hein. Lui, on va ligoter. Alors les personnages, quand ils sont ligotés, ben ils meurent. Ben, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'ils s'étouffent, ils ont avalé une toile. Spider-Man accroche ses toiles sur les nuages. Comme tous les premiers jeux de Spider-Man. Allez, hop. Voilà. Hop, hop, et hop. Hop. Hop, et voilà. Il y en a plus. Donc l'animation est plutôt pas mal, hein, comme vous l'avez vu. Et puis, en fait, ce jeu, moi, je me rappelle, je squattais le niveau 1, celui-là, pour me balader dans la ville. Bon, je sais, ça fait un peu con, en plus que la ville n'est pas géante, mais bon. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la liberté des jeux comme ça. Et en plus, je crois qu'il y a des clins d'œil. Regardez. Attendez. Hop, clin d'œil à. Hop, à Carnage. C'est lui qui m'a vu. Oh, ok, c'est lui qui m'a vu. Hop, alors on va aller le voir. Hein. Hop, salut. Ah, ah ben il est tombé. Ah, ça j'adorais faire quand j'étais petit. Je vais beaucoup vous dire des trucs que j'aimais faire quand j'étais petit. Mais bon, c'est vrai que c'était un bon jeu quand j'étais petit encore. Hop, lui, on va le faire tomber. J'avais oublié le cri qu'il lançait quand il tombait. Ah, c'est excellent. Ah, je redécouvre le jeu. C'est pas mal. Je me rappelais plus ça qui gueulait comme ça. Bon, on va passer directement au niveau suivant. Alors, dites-le moi dans les commentaires hein, si vous avez déjà joué à ce jeu. Peut-être. Oula, Catwoman, comment elle est carrée! Oh, on dirait ma prof d'SES, un truc de fou. Une drôle de tête aussi, hein. Elle est toute plate. Bref. Hop. Allons-y. Ici, ben, c'est de la vie, c'est tout. Oui, hop. Ah oui, voilà l'immeuble qu'il y avait sur le comics. Tout à l'heure. Alors je vais vous montrer aussi un truc, c'était une sorte de petite visée. Alors regardez, on vise quelque part, par exemple ici, et on faisait l'étoile. Et hop, regardez ce qu'il fait. Hop, il va se téléporter. Il va se ramener avec sa toile dessus. Alors ça, c'est une astuce pour aller plus vite. Enfin, moi, enfin, la plupart des gens font ça, hein, je suppose. Tiens. Oula, c'est un con. Le mec, il est arrivé, il s'est fait expulser, mais. On va faire un petit peu les points, parce que. Hop, hop.
Voilà, des petits combos sympas. Hop, voilà. Il y en avait pas un autre? Il me semblait qu'il y en avait un autre. Ah, voilà, il est là. Ouh! Ah! Et voilà. Il y en a plus. Spider-Man a explosé la vitre avant de jeter sa toile. C'est pas mal, ça. Hop, je ne sauvegarde pas. C'est juste pour une vidéo détente. J'espère qu'elle vous plaira, cette petite vidéo. C'est la première fois que je fais sur un ancien jeu. Je vais sûrement en faire d'autres parce que moi j'aime bien les vieux jeux. Alors, quand le mec va se ramener. Oh, ah! Ok, il m'avait vu déjà. Il est mort, ouais. Alors, là, un truc que je reproche à la version Nintendo 64. Donc, normalement, sur PlayStation 1, on voyait à travers les. La vitre. Voilà. Normalement, on voyait à travers la vitre qu'on montait là. Hop. Ah, on descend et on bute. Hop. Voilà. Il est mort? Ouais. Il est mort. Très bien. Je vais peut-être passer par là. Voilà. Alors, voilà, c'est vraiment. C'est assez chiant, ça. Je peux vous le dire. Par contre, on voit les ennemis, donc c'est un bon point. Alors là, il y a des otages, donc il va falloir les sauver, hein. Ça fait bizarre de voir les pieds de Spider-Man et les mains comme ça. On voit même pas sa tête. Bon, bah, c'est parti. Voilà. Non, tu vas pas le tuer. Tu restes là. Aïe. Quelle enflure! Oh, il a volé. Il a volé. Il a volé du mauvais côté. J'ai de la vie là? Il n'y a pas de vie quelque part? Ah, il me manque de la vie. Ça va pas aller ça. Ah oui, ça je m'en rappelle. Ah, non. Faut pas faire ça. Faut aller ici. Et voilà, c'est un peu comme Spider-Man 1 sur PlayStation 2. J'aimerais bien aussi. Oula, il a bugué, normalement ça marche bien. Voilà, normalement ça fait ça. Je trouve ça vraiment de. Ouf, ouh le bug. Eh, il est méchant celui-là. Hop, voilà, donc je suis tombé, je vais pouvoir sauver les otages en jetant une toile. Alors lui, il va pas faire long feu. Voilà, donc il est mort. Je vais récupérer ça. Alors ça, voilà, je vais vous expliquer la jauge. Alors la jauge en dégradé de couleur, vous aurez remarqué que c'est ma vie. Et la jauge bleue, c'est la jauge de toile. C'est ce qui nous reste de toile, parce que, eh oui, la toile peut s'épuiser, on n'en a pas à l'infini. Alors ensuite le 2. Voilà, et le 3 c'est quoi? Le 3, hop. Oh, pas mal. Oh! Oh oui, ils arrivent là. Je me rappelle plus comment je peux les avoir. Ah bah, oh! Ah, il me tire dessus lui. Hop, voilà. Ouh! Non, c'est bon. Alors je me rappelle aussi qu'il y avait des beaux codes. Enfin, des codes assez sympathiques sur ce jeu. Là j'ai peur. Parce que je crois qu'il y a des otages ici et c'était assez chaud quand j'étais petit. Oui, il y avait des codes assez sympathiques. Oula, clipping. Oula. J'aimerais bien voir où sont les ennemis. Ok, ils sont là. Ça va être chaud. Ah! Ah bah voilà qui me facilite un peu plus la tâche. Ah pas mal. Je me rappelais vu qu'on pouvait faire ça. Ah! Non! Comment on devait faire? Je me rappelle plus. Oh non, je recommence là! Oh, truc de fou! Ouh là là, je vais me cacher parce que je sais qu'il va me voir. Ils sont pas vraiment cons en fait, hein. Ils sont assez intelligents les ennemis. Ah! Tiens!
Tiens! Oh. Hop, hop. Voilà. Allez, on va sauter sur le mec là. Voilà. Alors attendez, je parlais pas trop vu que j'étais en train de me concentrer, parce que si c'est pour faire tout le temps ce niveau-là à chaque fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Hop, donc là, hop, on va essayer de faire un peu plus rapide que tout à l'heure. Hop, parce que tout à l'heure j'essayais d'aller un peu lentement. Hop, voilà, hop, ça en passe. Oh là, mais lui, ah non! Ah putain, je j'ai ouvert aux ennemis, putain! Oh non, oh, en plus, je leur ouvre la porte bien sur eux. Hein, voilà. Voilà. Bon, le mec, il est con comme un balai. Alors, il m'a pas vu. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a. Bon, de la vie, hop, c'est déjà ça, là, l'étoile. Voilà, ensuite je dois ouvrir le dernier, j'ai dit. Voilà, donc le mec il se barre. Ensuite on va aller sauver les autres Bobby, mais je sais pas. Oula, j'ai eu le réflexe de parler comme Netto 75. Merde. Ah! Non! Je vais perdre, hein. Bon, si je perds, j'arrête la vidéo. J'espère que je vais pas perdre. Ah, je me rappelle ça, on peut les porter. Je sais pas s'il y en a un qui fait de la patrouille. Attendez. Attendez. Voilà. Ouais, lui, il fait la patrouille. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hop au plafond. On va faire la vue comme ça. Oula, je sais même plus où je suis. Super. Super vue. Je sais pas où je suis. Ok, je suis là. On va essayer de viser un peu plus haut. Oh, j'ai cru qu'elle allait me voir direct là. Normalement, on devrait aller. Allez, c'est tout? Oh oui, dites-moi déjà aussi. Allez. Ah! C'est bon, ils se sont sauvés? Ah, c'est bon, ils se sont sauvés, j'ai réussi. Bon, bah, il nous reste 2 minutes de vidéo. Alors, ça, je crois qu'on pouvait porter avec la touche point. Voilà. Alors, on pouvait les balancer sur les ennemis aussi. Hein. Hop, voilà. Alors, c'était un petit souvenir. J'espère qu'il n'y a pas de méchant ici. Non, c'est bon, on peut se barrer. Et c'est la fin du niveau 3. There, going down. Ok, voilà, là on arrive dans la banque. Ok, c'est une banque. Ah, il y a encore des otages et là je vais pas réussir. Ah là, je vais pas réussir, ils sont plusieurs. Hey. Je me suis fait spotter de méchant. Bon, bah, je crois que je vais arrêter la vidéo. Et hop. Oh, ça, c'est le fun. Oh, ça, c'était fun. Hop. Oh, oui. Bon, bah, pour la fin de la vidéo, hop. Une attaque spéciale. Bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de faire cette petite vidéo. Hop. Alors, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.